C'est donc un sujet qui me touche personnellement parce que, en tant que monteur de formation, j'ai toujours trouvé que celui-ci apportait vraiment quelque chose de fort à une vidéo lorsqu'on la crée. Personnellement, j'ai toujours considéré que le montage devait intervenir comme un complément pour la vidéo, apporter une dynamique de regard et de constat autour de ce que l'on évoque, pour ainsi compléter ce que le créateur a en tête et ainsi remettre en avant de nouvelles perspectives de lecture et de conception de la vidéo, et de ce que, ainsi, le spectateur pourra retenir de ce que l'on raconte. Pour moi, le montage se doit d'être un complément total de ce que l'on choisit de mettre en avant au sein d'une voix off ou de ce que l'on cherche à montrer. Et en ce sens, un monteur a la lourde tâche de dynamiser ce qui peut être ou doit être finalement didactique. Et c'est là que l'on apporte un complément à l'un des deux éléments évoqués dans la vidéo précédente en choisissant de mettre du dynamique au sein du didactique. Mais cette lame a un sacré double tranchant, un double tranchant qui peut laisser totalement perplexe face à certaines vidéos comme c'est un peu le cas pour moi. Car si pour certains le montage est avant tout un outil de créativité et de possibilité, pour d'autres, et ça m'embête de dire ça, on a l'impression que c'est simplement un outil qui permet d'énergiser un peu trop leur contenu. Et cela donne lieu à toute une génération de créateurs et de concepteurs audiovisuels que j'évoquais déjà la dernière fois, qui se contentent de tout surdynamiser par le découpage et le montage, et ainsi donne lieu à des vidéos assez indigestes. Je ne parle pas par exemple de Squeezie, même si à une époque c'était clairement le cas. Je parle plutôt de tout un ensemble de créateurs qui estiment que monter est un travail lourd et long, et qu'en tant que créateur, c'est la partie la moins intéressante de conception et de développement de la vidéo, et que du coup, il faut juste se contenter de couper dans le gras et de mettre de la vitesse et non du rythme. Car oui, il y a une différence entre rythme et rapidité, vitesse et dynamique, et monter et découper. Pour moi, un bon monteur amène une coupe de montage là où c'est nécessaire, amène un extrait, une photo, un élément complémentaire à la vidéo, bref, amène ce qu'il faut au bon moment finalement. Et c'est cela qui fait que l'on garde ou non en tête une vidéo parce que le monteur aura choisi de correctement amener un élément de montage ou de création audiovisuelle qui permettra ainsi à celle-ci non seulement d'étayer son propos, mais de gagner en dynamique. Ainsi, tous ces jeunes youtubeurs que je vois sur la toile, qui se contentent soit de surdécouper leurs vidéos, soit de voir dans le montage un moyen de raccorder deux répliques l'une avec l'autre, je leur dirais simplement qu'il ne faut pas avoir peur de jouer avec le rythme de vos vidéos, de ne pas craindre que par moment la vidéo soit un peu lente, mais qu'au moins elle sonne comme naturelle et non énergique, qu'elle vous ressemble et non qu'elle s'incruste dans les canons de YouTube. Ce qui nous amènera ensuite à un sujet extrêmement vaste, mais qu'on va essayer de traiter de manière très simple, finalement je tourne dans quoi ?